Oui, normalement ça doit marcher peinard. Peinard, pépouze. Ah, par contre, c'est les touches, je les ai pas configurées. Ouais, les touches, c'est peut-être traître. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. C'est le soupir d'exaspération pour tout ce qu'il faut préparer en coulisses avant de lancer un direct. Mais c'est vite effacé par la joie de vous retrouver et puis de faire mes muses. Le plaisir de faire joujou. Ah, oh, je continue à faire joujou à Tomb Raider 4 avec le grand clavier. Voilà, je profite de mon bon matériel, je suis content, heureux comme un gosse. On continue, on est à Alexandrie. Oh, Alexandra. J'ai plus l'appétit qu'un barracuda. Allez, c'est parti. Oh mon dieu, on se croirait presque dans Minecraft là. Faut arrêter avec les textures. Hein, bon. Alors, Alexandrie, que nous caches-tu, ville égyptienne? Le premier qui trouve Nagui a gagné. Eh, hey, je crois qu'en plus l'affiche est authentiquement de l'arabe. C'est ça qui est dingue. Ça a l'air de l'arabe vrai de vrai. Si quelqu'un maîtrise la langue arabe, je serais enchanté qu'on me donne la réponse de ce qu'il y a sur ces affiches. Très pixelisé. Mais je serais ravi d'avoir la réponse. Bon là, à mon avis, c'est lisible, mais... Oh, j'ai oublié presque les... Merde, il y a un truc qui me bouffe. Hein? Oh, les scorpions! Oh là 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 là! Wow, la violence d'entrée de jeu! Eh, c'est bizarre, vous avez vu? Mon menu, j'ai un fond. Oh! Oh, bah, les bonnes, celle-là! C'est la nouvelle carte graphique qui part le bug! J'ai plus un fond dégueulasse! Putain, c'est énorme! Et non, elle vise pas. Pourquoi elle les vise pas? Bizarre. Oh. C'est une rue annoncée en arabe. Oh, mais il y a un monsieur. Je crois que ce monsieur est un vilain. Soyons prudents. Oh, le niveau qui se présente à nous, j'aime beaucoup déjà. Attention, cache-toi, Lara! Il y a des vilains dans la ville. Trop stylé. Oh, cette fontaine. Je veux boire du tourneau. Quoi? Assassin! On tire pas comme ça sur la croix. Enfin, mais même moi, je vois pas ma barre de vie. C'est trop bizarre. Enfin, je la vois à quelques pixels près, mais ça... Oh, les scorpions qui vous suivent. Bonjour, Adjay. Les scorpions qui me rendent fou. Alors, comment que ça va aujourd'hui, mon cher Adjay? Non, une moto? Oh... Alors, faites de la moto, Miss Croft. Ouais, ça va très bien, bon, c'est bien. Moi, ça va, franchement, j'ai la forme, mais je commence à souffrir depuis une heure de la chaleur, là. Là, ça commence à... Mais bon, je pense que le fait de me divertir, d'être avec vous, ça va me... Ça va m'inoptiser et me faire oublier la chaleur. Oula, je vais commencer à sauvegarder, là. Oula là, rendez-vous en terre inconnue, là. Ah, je remonte toute la file. Je remonte toute la file. C'est quoi ce graffiti? Todo. Tac. Oui, je veux. Mais encore. Oh merde, les scorpions qui sont encore là. Oh, les scorpions de la muerte, ils sont partout. Ils sont chiants.
Qu'y a-t-il, monsieur? Pourquoi tirez-vous des feux, monsieur? Vous êtes un vilain, monsieur. Ah! Au secours, les scorpions. Trousse de soins. Trousse de soins! Elle en a du matos! Non, c'est pas Half-Life, ça se brise pas. Half-Life, on y jouera tout à l'heure à partir de 16h. À 16h, je ferai la bascule sur Half-Life. Là, on se fait deux petites heures de Tomb Raider, mais... Ouh, qui sont bien chiants! Les scorpions qu'on peut pas zigouiller. Ça a été programmé exprès pour vous faire suer. C'est scandaleux. Ah oui, alors. Bon, bizarre cet endroit. Oh. Oh! Il y a les scorpions qui arrivent, non mais non, mais non, mais non. Mais non, mais faut arrêter, messieurs, dames. Oh là là, bonjour FunFan. Ah! Le scorpion, il va me piquer, non. Non! Mais non, elle a ramassé, elle s'est faite piquer. Oh là là. Oh. Oh, une autre partie de l'Alexandrie, dis donc. Oh, ça va, tu souffres pas trop de la chaleur, FunFan? Si vous commencez à vous chamailler, à vous vanter d'être arrivé le premier. Hic, on n'a pas fini. Quoi? C'est quoi cette blague? L'aventure égyptienne. Ne pas entrer. Voilà, je présume que la traduction en arabe est fiable. Pour dire entrée interdite. Pas pour Lara Croft! Comique. Les comiques. Entrée libre pour Lara Croft, évidemment. Oula, on entend le vent. Oh, Kizako. Ça, c'est pas normal, ça. Dans le jeu, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a des clés. Oh, il y a une astuce à faire, laquelle je sais pas. Ou alors, attends, je crois qu'il faut que je m'agenouille et que je tire, c'est ça? Non, aucun rapport. Absolument aucun. Ah, attends, je verrai ça après. Attends, dans quoi t'as mis les... Oh! Dans quoi t'as mis les PX? Alors là, il y a une porte condamnée, on ira après. Quoi? Hein? Une machine diseuse de bonne aventure ou charmeur de serpent? Le charmeur de serpent. Mais elle a pas un penny sur elle, Lara. Elle a pas pour habitude de s'encombrer de monnaie. On l'a vu dans le métro londonien, dans l'opus précédent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah du coup aussi je vais rentrer dans la porte condamnée. Ah oui merde, il y a encore... Oh, il y a encore des trucs là-bas. Attendez. Oh là là. Je suis même pas allé au bout du couloir. Oh, pas mal. Attends, attends, on s'y perd, la vache, la grandeur des niveaux. Bah alors attends.
Je viens de là, j'ai intérêt à faire souvent des 360 degrés parce que sinon je me perds. On tourne autour du pot qui est la clé. Attends, il y a des trucs qui se rejoignent. Lara Croft est pauvre. Ah merde, c'est mon point de départ ça, je reconnais maintenant. Tiens, bien fait pour sa tronche, pan. Elle se mange le... se mange le mur en pleine poire. Elle a fait... Non, c'est une blague. Oh les salopards, il faut viser avec l'arbalète. Faut-il encore avoir une arbalète? Mais non, mais j'ai rien pour viser, j'ai rien avec une lunette. Oh, j'ai pas l'air con. Attendez, pardon, je vous lis. Elle a fait pas de penny, mais il y a beaucoup d'hommes qui étaient prêts à lui donner leur fan. Par contre, je suis en train de remarquer que mon chat est tronqué. Merde. C'est ma faute, hein, si le chat est tronqué. C'est que j'ai mal disposé ma fenêtre. Si vous faites des phrases trop longues, je ne vais pas tout voir. C'est ballot, mais... Ouais. On s'en remettra. Oh non! Oh non! Les essais sont limités! Oh là là! Alors, je peux pas aller là pour le moment, puisque j'ai rien pour viser. C'est dégueulasse! Ah, la violence! Message de FunFan 1992, c'est bête de pas pouvoir faire des pavés chez toi. Si. Si, tu peux en faire, mais c'est ma faute, là. Je dis, j'ai mal mis ma fenêtre avec la résolution que je prends du jeu. Ça m'a décalé mon chatty, là. Et... C'est pas la fin du monde. Pour peu que je joue par ou deux mots, je pourrais peut-être deviner ce que vous avez voulu écrire, mais... C'est pas grave. Le souci va durer que 2 heures. Après, on passe sur Half-Life, et sur Half-Life, j'aurai un meilleur confort visuel. De ma coulisse. J'ai un dossier pavé sur G-Club. C'est vraiment bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Ah, homme. Là, je pense que je viens de là, non? Ah oui, je viens de là. Je reconnais. Merde, je pensais que j'allais dégainer en même temps, mais non. Putain, des trucs, c'est du délire. Alors attends, là où il y a la porte, voilà, là par contre. Mais c'est pas le jeu. Oh, ok, je me suis laissé surprendre. Vache. Ah, la violence! Merdoum, on y retourne! Et du coup, il faut que je retrouve le lieu, parce que j'ai encore du mal à mémoriser la carte. Oh, elle est où, l'aventure est haut? Égyptienne. Elle était pas là, mais ça j'avais pas fait. Attends. Tu finirais par nous faire croire que tu bosses pour les renseignements généraux, FunFan. En parlant de dossiers sur chacun. À mon humble avis,
humble avis, cet endroit-là, c'est une sortie. Pardon, je n'ai cesse de bâiller, je ne sais pas pourquoi. Oh, sacré fan. Non, vu la disposition du schmilblick, c'est une sortie. Oh. Ah, attendez, là je sauvegarde parce que... Ouais non, je sauvegarde... Si je tente ça... Je dois être limité dans le temps. Alors là, je suis emmerdé parce que la phase là, il va falloir sérieusement que j'ai un flingue avec un viseur. Ce qu'elle n'a pas dans l'inventaire pour le moment. C'est clean et boudding. Ah, direct, hein, y a rien à faire. Hein. Tu descends les escaliers, tu te fais planter. C'est quand même dingue. Oh, oh tiens, je ne dis pas que la momie se réveille. Si je saute là, elle se plante aussi. Hein? Un miroir. Oh mon dieu, c'est comme la logique du coup du bassin. D'accord. Oh que c'est vicieux. Ils ont remis ça. Ils ont remis ça. Ah, l'arbalète est là-bas. Par contre, j'ai pas le viseur qui va avec. Idéalement, il faut le viseur qui va avec. Ouais, c'est ballot. Il me faut le viseur qui va avec. Ah merde, ça correspondait à un pic. Oh. Ah oui. Mmh. Ah bon. Ah, j'ai mal lu le miroir. Qui je lis comme sottise dans le chat. Aïe, aïe, aïe. Mais non! Oh, je l'ai à peine effleuré, j'étais en vol, l'autre il considère que je suis touché mort. Oh là là, c'est punitif à souhait. Bon, là je reconnais, j'ai fait nimp. Mon dieu. Après, mince. Ah, je voulais faire un saut, j'ai merdé. La malheureuse, elle est moulue. Ah non plus. Putain, il va falloir vraiment que je mémorise ce que je vois sur le miroir, quoi.
Oh là 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 là. Alors, saut en arrière. Saut de côté. Il faudrait presque que j'essaye de faire. Voilà! Oh, Liv qui tue, bonjour! En espérant que ça aille bien. Oh, ma pauvre Liv, je suis en train de, voilà, de me dire, mince, je t'ai pas contacté pour qu'on. Pour qu'on s'organise pour le Stardew Valley. Alors, ça, c'est une énigme, le machin là. Le coup du charmeur de serpent. Ah, coucou cousin. Eh ben, merci à vous d'être là. Oui, ça cherche pas, oui. Bah là, je te cache pas que mon agenda de la semaine est déjà bouclé, week-end inclus. Mais la semaine prochaine, ouais, il faudra que je te recontacte en MP Discord et puis sur la quinzaine à venir, tu me diras si on peut poser une demi-journée qui te convient. Puis moi, j'aménagerai mon agenda en conséquence. Alors j'ai l'arbalète mais j'ai pas le viseur. C'est ça qui m'ennuie dans le. Parce que si je retourne là-bas. C'est pas là où je voulais retourner. Merde, je suis dans la pièce d'eau. C'est pas ça. Aïe aïe aïe. Merdoum, si je peux faire son mur, ça va pas le faire. Comique. Oh, les comiques. Ah, mais j'y suis pas allé ici. Attends voir. Je n'y suis point allé. Oui, pourquoi pas une torche? Oh là là. Oh là là. Délicatesse ou pas? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bah, ces trucs du jeu. En fait, j'ai rien à faire là. C'est surtout ça le souci. J'ai rien à faire là. Chouin, chouin, chouin. Ah là là, table. Secondes. Si vous écrivez des pavés, en fait, je vais. Attendez, j'aménage mon. Voilà, mon chat. Et là, normalement. Voilà. Excusez-moi. C'est juste pour mon confort visuel avec le chat.
Voilà, là, normalement, je loupe pas un mot de ce que vous dites. Alors, dans mes listes de jeux que j'ai mis sur Discord, il y a beaucoup de multijoueurs. Alors, je te confesserai, Jack, j'ai pas encore pris le temps de consulter le document que tu as publié sur mon Discord, et je t'en remercie. Mais ouais, c'est cool. Bon, ça, c'est fait. Là, j'ai l'arbalète, j'ai pu revenir ici. Là, il y a le charmeur de serpent. Et là, il n'y a plus rien. Que signifie? Fun fan. Le coup des pavés. T'en voir. Alors je re-re-re-sauvegarde là, c'est moi qui fais mon parano. Je fais un poil comme toi, fun fan, mais. Attends, il n'y a pas un truc que je peux pousser ou tirer comme bloc? Passe absolument rien. Et ça, ça m'intrigue, mais quelque chose de fou furieux. Ah, goujon de la Dour. Attends, je suis embêté dans le sens que j'ai pas le viseur de l'arbalète. Et ça me coince par rapport à ce que je veux faire. Je vais revenir dans le niveau précédent. Si je peux. Merci. Oh, les scorpions qui m'ont pas oublié. Satané scorpion. Désormais, c'est le dimanche. C'est tout ce que j'ai à déclarer. On dirait presque De Gaulle. Avec la voix comme ça. Je vous ai compris. N'importe quoi. Non, pas les scorpions. Non. Va pas me faire piquer. Oh. Oh, l'affaissement m'a surpris. Bien le jeu de texture. Mais je suis complètement largué. C'est aussi beau que... qu'on s'y perd. Mais ils sont combien les scorpions? Attends, là j'ai reviens au début du niveau. Ah oui, là c'est mon point de départ avec le train qui s'est arrêté. Donc on est à Alexandrie, ok, génial, cool. Ah! J'ai bien fait de faire demi-tour. Oh, les mots du scorpion. Oh, qui me gave le scorpion. On reconnaît les torches au phosphore. Hein. Vache. Cet éclairage plus récent.
Merde. Ah, il y a un truc au-dessus avec un ventilo. La question, c'est comment l'atteindre. Hop, 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 hop. On dirait une serrure qu'on peut péter, là. Oh, c'est pas vrai. C'est aussi simple que ça. Oh. La déco commence à me plaire. Lara, you are alive. I feared for you. What's... Von Croy has the amulet. Ah, this is bad. But he doesn't yet have the armor. There is still time to prepare for Set. Jean, I'm tired. Give a girl a break. My dear, when all this is over, you can retire. But now we must move swiftly. My men dive in the bay for remnants of Cleopatra's lost palaces. Cleopatra? Yes. She realized the armor's significance and had it brought here. Some was subsequently scattered, but... And where would you recommend I start looking? In the catacombs under Alexandria. My diggers have unearthed chambers connected to the Great Library. This would hold the true location of Cleopatra's palaces. We have yet to find a way in, but you... Take me there. There is a problem. Von Croy. Yes. His dig is expanding, crossing many of my own tunnels. Of course, my men would no longer work when Von Croy's thugs appeared on the scene. Time to introduce myself to Werner's loyal workforce. First, you must get into the catacombs. Von Croy has them completely sealed up, and I fear he will soon have the armor. Over my dead body. This I fear also. I shall wait here for news. Return if you feel I can help in any way. Good luck, Lara. I fear you may need it. I make my own luck. Tiens, tiens, tiens. Alors, malheureusement, c'est pas cette semaine qu'on se fera les vidéos en français. Mon pauvre fan, toi qui aimes la voix, évidemment, de Françoise Cadol. Mais... Oh, c'est rigolo, ils ont même modélisé son copain. Oh, c'est marrant, ça. Le copain français de Lara Croft, c'est-il pas beau? Il a bon goût, le monsieur. Ah, il a bon goût. Je dis oui. Bref, elle disait que... Enfin, il disait, entre eux, que en dehors de Von Croy qui pose souci, avec l'amulette et le... Bref, les artefacts égyptiens, des dieux égyptiens, il faut aller dans les sous-sols qui sont ultra gardés par les hommes de Von Croy, et il faut rejoindre la bibliothèque d'Alexandrie. C'est quoi qu'il y a devant sa bibliothèque? Ah, chevrotine. Oui, bien sûr, moi aussi je range ma cartouche de chevrotine au pied de ma bibliothèque. C'est bien connu. Mon Dieu, j'ai envie de tout regarder. Ça, c'est quoi ça? C'est pas un globe terrestre? Ah non, c'est un... C'est un appareil maritime, ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça, tranquille, le bureau au milieu de la pièce, bien, la ventilo au plafond. Et c'est beau le confort. Là, ça c'est quoi ça? Ça c'est du matos pour la race. Oh, la lunette. C'est ce qu'il me fallait. Oh, magnifique. Eh ben merci le copain, ça c'est un vrai bon copain. Alors, combine. Avec la... Ouais, laser. Ouais, l'arbalète laser. L'arbalète laser. Oh le bonheur. C'est cool, elle est bien équipée, Lara Croft. Il n'y avait pas... Attends. Attends. Il y a le balcon.
Ah oui, il y a des choses à faire. Je vais sortir par le balcon. Elle est rentrée par la pièce normale, mais elle va sortir par le balcon. On n'est pas Lara Croft qui veut. Oui, surtout que ça n'apporte rien. Trop bizarre cette configuration. Oui, merci pour le clip. Ah, bonjour Tomouf. Comment ça va Tomouf? Ah, il m'a fait peur ce lion en plus. Alors, c'est la guerre. Oh là là là. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus il y a de scorpions. On va retourner sur le balcon. More information? Oui. I believe some of the armor could be here in the town. A local collector had a small exhibition and was rumored to own a piece. It's hard to say this is true. The man was a fool. A while back, he vanished, leaving the exhibition boarded up. So. If Von Croy hasn't got to it, perhaps this would be the place to begin. Oui, donc il a un peu complété son propos, mais on n'a pas eu d'infos. Ah, chaque fois que je fais un tour, j'aurai droit à une révélation. Oh l'autre! Oh la vache, le mec! J'en reviens pas. Allez, j'ai une autre info. Vas-y, balance tout. On veut tout savoir sur les Égyptiens. On y retourne. Non, il dit plus rien. Oh merde. J'y ai pris goût, c'est malin. Hop là. Ah ah, on s'est croisé. Ah merde, il y a l'autre. Ah. Non, il donne... Ah si, il donne quelque chose. Ah ouais, munitions. Ah ah. Intéressant. Ça va, pas trop chaud dans ton secteur, Tomouf? Merdoum. Bref, ouais, je pense pas qu'il y ait grand intérêt à rester sur les toits. Ah oui, il y a la moto, ce sera à la fin. Ils la mettent tout de suite en pour aiguiser l'appétit, mais la moto, ce sera à la fin. Et du coup, je sais même plus où est-ce qu'il faut que j'aille. Pas par là. Zen n'est pas par là. C'est peut-être par là. Attends. C'est quoi ça? Ah non, tic-tac. Voilà, c'est ça. Merde au moins. Un peu comme tout le monde en ce moment, mais ça va. Ok. Ouais. D'ailleurs, oui, ça va, j'ai ma bouteille de flotte. J'étais en train de me dire, je sais plus si je m'étais pas préparé une bouteille de flotte. Alors là, je peux sauvegarder parce que ça devient... Wouhou! Ça devient wouhou wouhou! Alors, il faut que je retourne à l'épreuve de tir avec l'arbalète. On s'en approche.
On s'en approche, mais c'était où? C'était là, je crois. Oui, c'était là. Alors, sauvegarder. Sauvegarder et s'équiper de l'arbalète laser. Alors. J'ai le droit de zoomer ou pas? Oui, j'ai le droit de zoomer. On dirait le système à la MDK. MDK, d'ailleurs, j'avais commencé à faire dans ma phase de test de la chaîne. Et merde, trop tard. Et qu'il faudrait que je fasse, parce que c'est en deux épisodes, et puis c'était rigolo. Alors, s'équiper et se laisser chuter. Hop là, merdoum, je perds du temps par rapport au zoom. Ah oui, mince, c'est l'inverse. Ah, les salopards, ils ont inversé les touches. Mais c'est truqué! Mais c'est truqué! Mais il m'a refusé le... C'est honteux. C'est honteux. Hop là. J'aime bien, c'est des petits égyptiens qui tiennent les cibles, c'est rigolo. Ah! Merci. Comment ça, clic-clic-clum? Ah, c'est en fait, ça fait partie de l'attraction. Ah, c'est sympa! Ah, bah les mecs qui visitent l'attraction et qui la font, ils peuvent le dire quand ils perdent. C'est juste mortel. Eh ouais, vraiment mortel le parc d'attractions égyptien. Mais c'est n'importe quoi! T'as un clin d'œil en une fois de plus à Joueur du Grenier et son Fistiland au fond du fun, là. Il y a un peu de ça, là, franchement. Le parc d'attractions égyptien, vous n'en reviendrez pas! Mais vraiment pas! L'horreur. Allez, ma boule. Et voilà. Et la pièce, tu l'utilises chez le charmeur de serpent. Cucu pampan. Oh mon dieu. Mince, si j'arrive à être devant le dispositif. Allez, la petite animation rigolote. Oups. Oula. Oulala. Mais hé hey, qu'est-ce qu'il nous fait là? Fini, oui. Allez, grimpe. Vilaine. Pas tout faire semblant de passer à côté de la corde. Oh merde, homme. Ah. Pourquoi le balai et le matos manche à balai? Elle a besoin d'un manche à balai pété. Trois crochets, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, j'utilise la barmine. Je retire le crochet, ok. Faut que je fasse pareil avec les autres devant? Non. Très particulier. Est-ce que je dois combiner la barre et le crochet? Ouais, apparemment. D'accord. Donc là, je vais pouvoir faire le capitaine. Ah! Les clés, j'ai compris.
Là, j'ai compris la logique du jeu. Oh mon dieu. Allez, vas-y, ma grande. On doute pas de ta dextérité. Allez, Lara. Allez, Lara. T'as pas intérêt de souffrir de Parkinson ou d'avoir bu un coup de trop en faisant ça. Oh, c'est une chef. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Alors, c'est les clés de quoi? Ça doit être marqué dessus. Il y a un pendentif. C'est les clés de quoi que j'ai ramassé? Les clés de la porte. Quelle porte? Les clés de la porte. Et tenez la poignée de Paul, il a la chapeau. Un hommage à Normand Lamour, là. Les clés de la porte. Ouais, mais quelle porte? Dur. Si pas indiscret, t'es de quelle région? Ah, ah! Attends. Oui, non, je viens de là. Oui, je viens de là. Attends, les voiles. Attends, les voiles. Les clés de la porte. Quelle porte? Attends, avant de retourner dans l'autre partie de la ville. Le pire, c'est que je vois pas d'accès qui me soit interdit, en fait. Bon, là, je sais que là-bas, c'est bouché. Mais... Il y a la pièce d'eau qui est là. Mais ça n'a aucun rapport. Quel endroit j'ai une porte verrouillée. Bonjour Christella. Ouais, toujours en Égypte avec Lara. Ah, ça va, tu cuis pas trop avec tes deux fidèles canidés? Parce que t'es dans la zone, je crois, qui a le plus chaud actuellement en France, si j'ai pas de bêtises. J'ai pas révisé la carte de Météo France par rapport. Mince. La malheureuse, je l'ai fait se baigner contre les. Le haut des trucs. Alors attends, j'ai les clés mais j'ai pas la porte. Où est la porte? Oh, Satané Scorpion! Rien que par le stress de les voir, ils vont me donner des boutons, ces scorpions. Non, oh scorpion, non, oh scorpion. Oui, évidemment, je ne peux pas. Une porte, quelle porte? Tiens, je vais aller chez le copain. On va retourner chez le copain français. Oh! 39 degrés, oui, tu m'étonnes que t'as tout fermé. Oh, eh bien l'animation. Lara, apparemment, dans une réunion, et il est très probable que certains des armes sont hidden down dans les catacombes eux-mêmes. Mais tu dois prendre soin. Word of Volcroy's men fleeing the tunnels has reached you. Sets of Parisians have begun to move into the city, gathering in the ancient sites. You must hurry and find the library. Mm-hmm. Oh, bah, ma chère, la porte fermée. À quel endroit je faisais face à une porte fermée, moi? On va descendre tout doucement sans la...
Finalement, on va peut-être pas descendre. Du moins pas comme ça. Allez hop, dans l'autre sens, parce que c'est drôle. Là, c'est une porte que j'ai peut-être pas ouverte. C'est une porte que je n'avais pas ouverte. Oh merde! Oh là 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 là, ces scorpions, ils me rendent nerveux. Mais j'ai rien à y gagner par ici, c'est pas possible. C'est juste une casse-bas, d'accord, mais y a rien dedans. Oh non, je me suis fait piquer. Oh, y en a un qui a réussi. Oh là là. C'est scandaleux. Vite, un antidote. Ah, t'as tenté un de ton côté, Edge. Ah bah ça va, c'est sympa la Normandie. Tu l'as acheté sur GOG, ce Tomb Raider? Non, pas sur GOG, sur Steam. Si, Steam. Honnêtement, sur GOG, j'ai encore rien acheté. C'est FunFat qui m'a invité à ouvrir un compte sur cette plateforme. Mais à la base, je suis, j'ai envie de dire par défaut, un pro Steam. Puisque j'étais un fan d'Half-Life au début, et enfin aujourd'hui encore, mais c'est comme ça que Valve a développé Steam et que c'est né. Donc par j'ai envie de dire, j'ai élevé au biberon, au biberon Steam. L'expression est maladroite, mais vous m'aurez compris. C'est-à-dire que j'aurais vu l'évolution de la plateforme depuis ses débuts quasiment. Traite, je sens que je vais démissionner. Bah oui, mon pauvre fun fan, je sais que t'aimes pas, mais bon. Mais t'inquiète pas, bientôt je serai amené à parler davantage de... Ah, c'est pour la moto! Oh! Dis-moi que c'est pour la moto, la clé. Nope. Non. Ouais, il a dit non. Non. Non, 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 pas le scorpion. Là, c'est moi qui dis non. Voilà. Attends, c'est la meilleure. J'ai fait pas mal de manip pour avoir une clé et me déverrouiller un accès, c'est juste que je sais pas où c'est. Généralement, c'est à l'envers que ça fonctionne, ce genre de problématique vidéoludique. Où est-ce qu'il y a une porte qui me résiste avec un verrou? J'en ai aucune idée. Ah, peut-être que je retourne dans le local des caisses. Là, c'était bizarre. Bon, je pense pas qu'il y ait un meuble à... Hop, 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 à déplacer. Attends, voir. Ah non, c'est un livre qui est sur la table. C'est pas un objet à ramasser. J'ai rien dit. Non, on est d'accord. Il n'y a pas d'interaction avec... Non, il n'y a pas d'interaction avec le mobilier. Ça n'a pas de sens. Alors. Ouais, là c'est vrai que j'ai pas ouvert grand les yeux. Cette histoire de caisse est un peu bizarre. C'est étrange. Si, ouais, l'endroit est vraiment étrange.
Eh merde. Ah. Ah bah oui, voilà, ils m'ont tous coincé. Allez, c'est reparti pour le vertige. Oh. Merdoum. Attends, quel est l'endroit qui m'échappe? Mais ça n'a aucun rapport avec ça. Il y a quelques jours, tous les Tomb Raider étaient bradés à moins d'un euro le jeu. J'ai tout raté pour 7,34 sur GOG. Ah oui. Tu es comme dans le conduit bien. Ouais, mais j'ai la chance déjà de tous les avoir, les Tomb Raider. Il n'y a que le suivant à celui-là, sur les traces de Lara Croft, que j'ai en version boîte. Oh, cet effet Gerbotron. Franchement, je vois pas. Oh, trousse de soins, hein, ça m'énerve le truc Gerbotron. Merde. C'est pas possible, c'est dans l'autre partie du niveau, c'est pas possible. Il y a un truc que j'ai pas vu. Où est-ce qu'il y a une porte ou un accès qui est scellé? Si je vais là. Ah, raflé, j'ai tout raflé. Ah oui, mais effectivement, j'ai mal lu. Je suis aussi sur cible, je vais partout, je suis... pour le partage des biens. Oh. Attends, l'aventure égyptienne. Bon, il est vrai que j'ai pas fait l'eau pour l'aventure égyptienne, mais il n'y a pas de serrure. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. D'accord, c'est pas ça, ça fait... Là, c'est complètement le décor du truc. Ah non, le truc là, il sert à rien dans l'immédiat. Et voilà, là, c'est la pièce d'eau. Que j'y fasse. C'est ça que je puisse passer une sortie, la pièce d'eau. On le voit par rapport au truc dans le mur. Il n'y a pas de levier, non, il n'y a rien. Alors là, mince, à chaque fois je la ferai se cogner au truc, c'est obsessionnel. La malheureuse. Alors à part la cage de la moto, faire dans l'aventure égyptienne, ça se tient pas l'histoire, ça se tient pas. Là on est d'accord, il y a rien. Ah, chapeau de l'héros, bien. Non, le coup des scorpions ne vit à trépas, Olive. J'essaie de tirer dessus, j'y arrive pas. Enfin, Lara ne vise pas les scorpions, et puis bon. Voilà quoi. Euh,
Ah non, je vais pas retourner là, j'ai fini l'épreuve, j'ai gagné. Là c'est pour le retour, donc c'est débile, je vais pas y retourner non plus. Oh bah mince. Là c'est le voilà le piège du miroir. Ça a été fait, j'ai obtenu l'arbalète ici. Là oui, c'est le charmeur de serpent, la corde, et en haut j'ai eu mon bâton avec le crochet. Ce qui m'a permis justement de récupérer la clé qui était ici en fait. Mais en dehors de ça, je comprends pas. Oui, je retourne dans le truc de l'Egypte, c'est débile. Ouais, voilà, toutes les épreuves, tac, 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 elles ont été faites. Alors, où est cette fichue porte avec la clé, enfin la serrure? À part la cage de la moto, franchement, je vois rien. Et la pièce d'eau est une sortie, pourquoi? Mystère. Hop, 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 hop. Attends. Non, franchement. C'est pas ça. J'ai aucune action par rapport à cette porte là. Donc là il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de serrure. Là, cette pièce avec les caisses en bois, c'est une énigme. Parce que j'aurais une caisse à tirer, je l'ai pas vue. Alors reste à savoir laquelle. Non? Non, non, elle veut crapauter. Enfin, crapauter. Elle veut monter sur les caisses et c'est tout. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Là, génial, je vais avoir tous les scorpions. C'est bizarre. Et là, j'ai rien loupé. Alors là, c'est du délire. C'est du délire. D'accord, elle veut pas déplacer ça. Puis ça, c'est pas des vrais cubiques. Elle peut pas. Elle peut monter dessus, mais elle peut pas les déplacer. Oh là 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 là, je pige pas. C'est. Ne me dis pas qu'il y a un truc logique. Ne me dis pas que j'ai à déverrouiller la fontaine. Non, c'est juste une place magnifique à Alexandrie et basta. Attends, je vais aller revoir le copain français là parce que.
Alors. On est d'accord, même chez le copain, il n'y a pas de mobilier à. Non, il n'y a pas. J'ai pas interagi avec le mobilier. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pim pidi pim pidi pou. Pas de bol, cousin. Ah, ça a pas pris au jeu de la pêche. Putain, mais c'est dingue. Le mystère complet. Oh merde, je pensais qu'elle allait se raccrocher, mais même pas. Et là, Lara Croft vient de se péter les chevilles. Oui, là, je reviens au début, là où il y a le train. Pas que je retourne là où il y a le train, quand même, si. Bizarre. C'est le début du niveau, ça. Faut que j'aille là? Ouais, non. Je viens du train, c'est pas pour y retourner. Aïe, 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 aïe. Attends, il faut que j'ouvre grand les yeux parce que. Où est-ce qu'il y a une serrure qui m'aurait échappé? Et puis il y a une logique dans le dessin du niveau. Bon, là il y a la place. Non, j'ai rien d'autre. Alors, franchement, le coup de la moto, je vois pas. Là, je comprends pas. Où est la serrure? Là, on est d'accord, je peux pas y aller. Ouais, c'est trop haut. Attends, si je monte chez le copain et que j'essaye de, depuis son balcon d'aller en hauteur. Je vais être coincé, c'est pas possible, il y a des murs. Bon, blam blam blam, je peux aller jusque là, mais ça s'arrête là. C'est trop bizarre. Si je saute en face, je pourrais pas m'accrocher. Si, bon, enfin, je peux pas me hisser, on est d'accord. Ah bon? Ah, je commençais à être surpris là. Bizarre. Ah, il faudrait peut-être faire un demi-tour et sauter. Pas du tout. Pas du tout. Bah, la clé, voilà. Clé de porte. 9.
clé de porte. Sauf que là, de mémoire, à part la moto qui était dans... Message de FunFan 1992, Christella dit tu peux examiner la clé. Oui, voilà, c'est chose faite, merci. Mais voilà, clé de la porte, ça aide vachement. Et à part la moto qui était dans le garage en grillage où j'ai essayé d'interagir, c'est rien passé. Je vois pas du tout dans le niveau où est-ce que j'ai loupé un cadenas. Et c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que j'arrive à obtenir l'objet après moult péripéties, mais que je sais pas où aller pour m'en servir. Donc voilà. Non, puis ça, c'est une sortie. Je vois pas comment je peux rentrer. Bon, on va éviter à ce qu'elle se cogne. Voilà, je la refais plonger. Alors, si je suis encore bloqué un gros quart d'heure, pardon, mais je passerai sous Half-Life tout de suite parce que... Si c'est pour vous montrer à tourner en rond dans le niveau, c'est pas la peine, c'est frustrant. Oui, tu es pleine de bon sens, Christella. Essayez toutes les portes, ouais, que je croise. Parce que c'est dans cette attraction que j'ai obtenu les clés. Les clés étaient là. Ouais, il y a là. Ça ne mène à rien, ça. Non, c'est bon, j'avais fait l'interaction. Donc... Là, il y avait le truc serpent. Là, je peux plus interagir, c'est le truc du penny. Bon, oui, là, elle veut bien monter à la corde. Mais c'est là où j'avais la hanse, le manche à balai et le crochet. Donc ici, non, j'ai plus rien à y faire. Ouais, c'était en face, j'avais plus rien à y faire. Mince. Enfin, bref. Non, sérieusement, je suis persuadé que c'est pas là. Oh, merde. Là, c'est l'épreuve de miroir, là où j'ai eu l'arbalète. Y a pas de serrure, c'est pas logique. Oula, attention, j'ai failli tomber. Là, c'est l'épreuve ouais, de tir qui m'a donné la pièce, le penny pour la corde et le charmeur de serpent. Non, non, là, l'attraction là, j'ai fini. Mais ouais, j'ai observé ta logique, Christella. C'est-à-dire que je vais bêtement me présenter à des portes. Puis voir s'il y a une interaction avec. Mais attends, je me demandais si je pouvais pas... Au niveau de la verticalité, voir si je pouvais pas faire le ninja des toits, là. Ouais, mais à la nuque, tu vas te rendre malade comme pas possible, mon pauvre fan, donc... T'as pas un brumisateur, tu peux pas passer rapidement à la douche, te rafraîchir le corps. Moi, c'est comme ça que je fais. Oh non, mais c'est pas vrai. Oh, c'est scorpion. Bon. Alors, la porte là, elle a été ouverte. Celle-là, je pense pas qu'il y ait. Non, il n'y a pas d'interaction. Mince. Le côté opposé. Non, il se passe à rien. Hop là. Il ne se passe que plus que... Non, c'est pas ça. Là, il y a encore... Oh, puis les scorpions qui arrivent. Rien, c'est pas logique.
Oh, ils sont chiants. Oui, ils me piquent, je sais. Ah, ouais, j'ai rien pour exploser les scorpions, là, parce qu'ils sont vraiment... Je m'écouterai, je prendrai voilà, le fusil à pépon et je bam. Mais elle tire pas dessus, donc c'est nul. Ah, c'est Gerbotron. Faudrait que j'ai une grenade ou je sais pas quoi, mais... franchement, je vois pas. Oh là là, c'est truc de fou. Oh, c'est abusé l'effet. Oui, bonne suggestion, Christella. Mettre une serviette, tu te prépares humidifier là, sur la nuque et éventuellement le gant de toilette sur la tête. Très bonne idée de Christella. Ouais, merci du conseil. C'est psychédélique. Même l'écran de chargement, il était pris sous l'effet poison. Elle est bonne. J'essaie de réfléchir 5-10 minutes encore. Et puis si vraiment j'ai pas l'éclat de génie, tant pis, ce sera pour une prochaine fois, quoi. Est-ce qu'il faut que je passe par là? Elle peut rebondir sur la bordure? Non. Elle peut pas rebondir sur la bordure. Rien qui se fait. Y a rien qui se pète. Oh, elle est bonne celle-là. La queue de la porte, mais quelle porte. Oh merde. Oh merde, c'est encore fait. Oh là là. Et cette salle, elle m'intrigue, la salle-là, parce que ici y a rien passé. Ça me bouffe. Porte secrète dans la bibliothèque. Porte dans un niveau précédent. Bah le entre guillemets niveau précédent, c'est Alexandrie là où j'ai débarqué. On voyait les wagons, ça correspond au niveau du train qu'on avait fait précédemment. Bah, je vais suivre ton idée, effectivement, le coup de la bibliothèque. Oh, un bouquin qui se tire, qui n'en est pas un, mais qui en fait qu'un levier. Oui, t'as raison, je vais essayer ça maintenant, je suis plus à ça près. Hein. Mais il va falloir que je me coltine toutes les bibliothèques. Je pense pas que ce soit chez le copain que ça se passe, mais on va essayer par là. Attends, et vraiment l'opposé du balcon, il n'y avait rien ici. Il n'y avait rien de rien. Oh là 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 là. Mystère. Mystère et bourré de gomme. Bon, la superbe bibliothèque du copain. Non, c'est débile, ça tient pas, ça peut pas être chez le copain. Le copain il aurait dit tiens l'arrache, t'ouvre la voie et vas-y. C'est forcément dans un endroit qu'elle connaît pas. Là j'ai l'air ridicule. C'est trop bizarre. Hop là, oh ce saut par-dessus le bureau. Coucou. Il est vrai qu'à part zigouiller le mec, quand je suis rentré, j'ai rien fait ici. Là, il n'y a rien.
Oh, les scorpions, ils me gavent, les scorpions. Je vais attendre que les scorpions reviennent. Papa, 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 papa. Merde. Il y a déjà un scorpion qui est là. Mais non, mais sans déconner, il ne se passe rien. Alors oui, tant pis, je me suis... Voilà, elle s'est faite encore piquer, la malheureuse. Oh, le scorpion, vous êtes chiant. On s'empêche même la progression de la pauvre Lara. Il n'y a absolument rien. Allez, c'est reparti pour l'effet Gerbotron. C'est la fête. Bon, ben on va passer à Half-Life. Voilà, c'est tout ce que j'ai à déclarer. Je suis dépité. Là, ça m'inspire plus et mon plaisir de la découverte a été anéanti pour aujourd'hui. Ça reviendra plus tard. Voilà, malheureuse. Pouf. Elle est mourue. Oh mon dieu. Cette vue. Oui, oui, oui. J'adore le bug de l'écran. Ah, bon, tant pis, allez-vous. On va passer à Half-Life. Où suis-je? Que fais-je? Je ne sais plus. Ah, vous me voyez en gros plan. Il va falloir que je change la catégorie. Pouk. Alors. Catégorie. Half-Life. C'est l'IF Life.